Aujourd'hui, on ne va pas parler de poivre, on ne va pas parler de sel, on ne va pas parler de citron séché, ni de peser ses aliments pour maigrir. On va parler du bonheur 2.0. Dans le petit traité du bonheur 2.0, nous apprenons que la marche constitue un premier degré d'activité physique qu'on aurait tort de négliger. La marche a des effets positifs sur le poids, la tension artérielle et la santé en général. Il semblerait qu'il suffise jusqu'à 50 ans de faire 12 000 pas par jour pour éviter la prise de poids. Il y a eu une étude. C'est pour cette raison que l'on préconise généralement de faire 10 000 pas par jour avec des campagnes de santé publique sur le défi des 10 000 pas et autres 10 000 steps challenge. Le petit podomètre, il s'appelle Pacer. Enfin, c'est une appli gratuite, mais je crois qu'il y en a d'autres. C'est assez gourmand en batterie. Je vais essayer d'aller 12 000 pas, je sais pas, ça fait combien? Si je vais au Sacré-Cœur, je vais essayer d'aller au Sacré-Cœur. Ça fait loin le Sacré-Cœur. J'espère que je vais pas me perdre. Bon, je suis prête. J'ai mis des chaussures appropriées. Ok, on y va. On est sur le palier. Je ferme la porte. Ok, ça va commencer. Il fait presque un peu beau. 5 degrés, je crois, à Paris. Il y a des pigeons, des feux rouges. Il y a une fanfare qui répète là. Il y a les touristes, ils font la queue devant la Sanisette parce qu'ils ont visité Notre-Dame. On est à Hôtel de Ville. Il y a un carrousel, on le voit ou pas? Il est là, le manège. Il y a la patinoire aussi, mais je sais pas patiner. Il y a son Pompidou. C'est chiant par ici. Je vais plein nord, il y a plein de voitures, je sais pas. Il faut que je fasse des détours. Vous voudriez pas venir chauffer mon lit, vous deux? Hein? Ils ont pas dit oui, mais ils ont pas dit non. Il y a de l'espoir. Petit point corporel. Je transpire un peu aux aisselles. J'ai mis une trop grosse écharpe, je crois. J'ai bien chaud, là. Mes jambes, elles vont bien. Plutôt petite, minuscule irritation au talon droit. Mais vraiment rien de qui va dégénérer. Bientôt la moitié. Oh non. Nous allons vivre ensemble un petit instant traumatique. Oh là là. Je passe devant le conservatoire. Où j'ai raté 4 fois le concours. Regarde. Oh. Ça fait 1 heure que je marche et regarde où j'arrive. J'ai un petit coup de mou là. Je me serais bien acheté une bouteille d'eau, mais j'ai pas pris d'argent. Je vais peut-être mourir. Et cette vidéo sera le dernier signe de ma vie terrestre. Je pense que j'arrive par un côté ou par derrière. Je suis jamais arrivée par là. C'est pas très très magnifique par ici. C'est un peu mystérieux. Oh, j'y serais arrivée. 8 000 pas pour le Sacré-Cœur. Je pense que là, tu sais quoi? On va aller à la maison de la radio. Faut bien faire les 12 000. Il s'est mis un peu à pleuvoir. Je me suis refroidie. J'entre officiellement dans la phase ronchon. J'ai un peu mal au bout du gros orteil gauche. Et toujours un peu irrité au talon droit. On est à 10 000 pas. J'ai mal aux jambes là. Je sens que j'ai mal aux jambes. Mais je pense pas aller à la maison de la radio parce que le GPS m'annonce 1h30. Donc je vais rentrer chez moi. J'en peux plus, j'ai pris un petit bus. J'ai pris un bus pour me rapprocher, mais j'ai vraiment du mal. Je souffre là. Je les ai faits, les 12 000. Je les ai faits.
T'as vu? J'ai même fait plus. Oh là là. Donc là, il faudrait faire ça tous les jours, toute la vie, pour garder son poids et sa santé. Non, enfin, je pense qu'il faut genre s'acheter le truc, tu le mets sur ta tête ou sur ton bras ou dans ton cou et alors ça te suit. Et c'est des pas que tu peux faire au travail ou en faisant tes activités et pas nécessairement faire une marche de 12 000 pas qui te tue. Merci de m'avoir suivi. Oui, je suis en forme. Je crois que j'ai percé mes chaussettes. J'avais pas mis des bonnes chaussettes. Si tu es un travailleur debout, je te tire mon chapeau. Invisible.